Il y a un nouveau single qui doit sortir là. On vaut rien. On a gagné coup. On vaut rien. On a gagné coup. On vaut rien. Mais on a pris la coupe. On vaut rien. Mais on a pris la coupe. On vaut rien. Mais on a pris la coupe. Yes. 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 Bien le bonsoir chez vous. J'ai envie de rester debout. Je vais rester debout un certain temps quand même. Hein. Voilà, je me lâche aujourd'hui. C'est un jour particulier. C'est un jour de fête! Hein, alors, comme c'est un jour spécial, on aura des comportements spéciaux. Voilà, parce que c'est un jour spécial. Est-ce que vous vous rendez compte d'une chose qui est vraie qu'on ne pourra jamais nous enlever? Nous sommes champions d'Afrique. Et en plus, une autre nouvelle. Nous sommes champions d'Afrique pour la troisième fois. Jour de fête. Et comme nous sommes champions d'Afrique pour la troisième fois, notre bonheur est trois fois plus intense. Parce que nous sommes champions d'Afrique pour la troisième fois et nous faisons partie des rares pays qui ont remporté une Coupe d'Afrique qu'ils organisent eux-mêmes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on a réalisé ce soir? Est-ce que vous êtes content pour votre pays, la Coupe? Ce soir, on ne va pas faire beaucoup de salam alek, on ne va pas trop parler, jouer les techniciens, les tacticiens. Ce soir, on va juste être content pour notre pays. Et j'ai voulu aujourd'hui, ce soir, ce n'était pas prévu, mais on l'a décidé à la dernière minute, j'ai voulu qu'on soit avec les deux commentateurs champions d'Afrique, Chris Nubuza et Patrick Dicker. Alors, messieurs, comme je dois vous parler, je ne vais pas rester debout, je suis bien poli, donc je vais m'asseoir pour vous parler. Mais on ne va pas parler longtemps, hein, je l'ai dit, aujourd'hui, on va surtout célébrer la Côte d'Ivoire. Messieurs, quand on est commentateur d'un titre de champion d'Afrique, Chris Nubuza, comment est-ce qu'on se sent quand on a fini de commenter et qu'on est champion d'Afrique? C'est le meilleur cadeau. C'est le meilleur cadeau parce que c'est inimaginable, vu même le scénario que les éléphants ont vécu jusqu'en finale. Et aussi, ils ont encaissé un premier but. Et derrière, ils sont revenus. C'est tout simplement magnifique. C'est magnifique. On a des frissons. Je vais maintenant parler au nouveau prophète des temps modernes, Patrick Guité. Patrick, alors, oui. Je sais que ce n'est pas votre première Coupe d'Afrique. Non. Enfin, je sais que ce n'est pas la première. Vous avez été journaliste sur plusieurs Coupes d'Afrique. Oui. Mais là, vous commentez une Coupe d'Afrique où on est champion d'Afrique. Oui. Comment est-ce que vous vous sentez? Bah, c'est une nouvelle expérience. Vous l'avez bien indiqué. En 2015, on était à Bata. Mais là, cette fois, je suis commentateur. Je dois transmettre des émotions. Et moi-même, il y a des choses qui se passent en moi. Mais je l'ai déjà passé sur le plateau ici. Et j'avais dit de regarder juste derrière vous. Alors, je vous explique ce qu'il avait dit. Hein. Je ne sais pas si on a un plan qui est capable de nous le montrer. Ou on va demander à Momo de faire un zoom, si possible. Sur ce qui est juste derrière, là, vous avez l'image de Sébastien Haller au-dessus de Ojimen qui menace Sébastien Haller. Voilà. Alors, Patrick Guité nous avait fait cette révélation. Ouais. Nous avait dit que ça voulait simplement dire que la Côte d'Ivoire allait prendre le dessus sur le Nigeria, même s'il est menaçant. Donc, comme dit le community manager de NCI,
C'est la première fois que NCI retransmet et diffuse une Coupe d'Afrique et on gagne la Coupe d'Afrique. On doit tout vous dire ou bien il faut qu'on explique encore plus ce qui se passe exactement. Alors, messieurs, comme je vous dis, on ne va pas faire trop de parlotte aujourd'hui. Hein. L'émission va être relativement courte parce que là, on a besoin d'aller faire la fête. Et surtout, surtout pour annoncer à nos chers téléspectateurs que demain, ils auront un programme spécial. Spécial toute la journée quasiment. On sera spécialement avec nos éléphants durant tout le parcours qu'ils vont avoir demain parce qu'il y a une grande parade qui est prévue dans la journée de demain. On sera avec vous hein, durant toute la journée quasiment pour vous faire vivre au plus près la joie des Ivoiriens comme on a vécu au plus près avec vous ce parcours. On ne peut plus lazaresque, diraient certains, c'est-à-dire le parcours de Lazare ressuscité le quatrième jour des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais avant tout cela, on va marquer une petite pause. Elle est obligatoire, elle est alimentaire, c'est la pub. Et on se retrouve dans quelques instants. On va partir à ça avec notre ami Arsenal DJ. La danse est chez nous. C'est vraiment la fête, c'est vraiment la joie ici parce que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. C'est tellement agréable de le dire. Oh là là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, je suis vraiment béni parce que moi, j'ai vécu la victoire en 92. Ouais. J'ai vécu la victoire en 2015. Ouais. Je vis la victoire en 2024 pour 2023. Ouais. Je vais vivre d'autres victoires encore pour les éléphants. On va retrouver tout de suite à Yopougon, Armel Yao et Eliane Tapé en direct pour nous parler de ce qui se passe dans cette atmosphère de joie. Eliane, bonsoir. Oui, bonsoir Joël. Bonsoir à tous les consultants sur le plateau. Eh bien, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Et ça, vraiment, malgré des débuts difficiles, difficultés. Bonsoir. Nous sommes en joie aujourd'hui parce que hier nous étions humiliés. Aujourd'hui nous sommes en joie. Grâce à nos grands frères, nous sommes en joie. Dans tout le monde va dire merci à Faye MS. Faye MS qui est brandi sur cette affiche comme pour remercier le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Et comme je le disais Joël, l'histoire ne retient que les vainqueurs. Et malgré des débuts difficiles dans cette compétition, la Côte d'Ivoire accroche sa troisième étoile. On peut donc jeter les maillots à deux étoiles et profiter. Ils vont l'avaler. On peut applaudir. C'est la joie, hein. Quand on est content comme ça, on ne maîtrise plus trop ses émotions. Même là, moi, en ce moment, j'essaie de rester professionnel. C'est pas simple. J'essaie, hein, mais c'est pas simple du tout. Voilà. D'ailleurs, pour montrer que je suis professionnel, en tout cas que j'essaie, je vais vous offrir de voir les meilleurs moments. Mais en fait, je suis pas professionnel du tout. Je vais juste reprendre du plaisir à regarder ce qu'on a fait pour gagner cette rencontre et cette Coupe d'Afrique des Nations. Voici les temps forts de Nigeria-Côte d'Ivoire. On est champion d'Afrique, hein. On est champion d'Afrique. Gislain Kouna. Simon Adingra, c'est lui le détonateur du jeu des Ivoiriens. Le ballon, Evan Dika, lui également, qui fait un tournoi propre. Attention, c'est Fofana ce jeu de camp. Pour Adingra. Adingra face à Olaina. Adingra. Regarde également de Didier Drogba. Attention à ce corner encore envoyé par la défense, c'est pas terminé. C'est Fofana, il peut frapper. C'est pour la frappe directement. Dans les gars de Mouabali. Regardez Osimhen qui est carrément sur Sébastien Allaire. Attention à ce ballon. Oula, la reprise acrobatique. Ballon récupéré encore par les Ivoiriens. Gradel pour Allaire. À l'opposé. Bien joué pour Adingra. Adingra qui a le ballon. C'est la frappe de gauche. Un ballon renvoyé par Mouabali. Mais quelle occasion pour Simon Adingra. Lukman qui va frapper ce corner au premier poteau. Dévié par Sabien Soukou. C'est la tête. Pour l'ouverture du score de Trostekong, la tête du capitaine nigérien qui va finir au fond des filets. 1-0 pour le Nigérian. Encore une domination des éléphants. Du temps et les éléphants ont
habituer leur public à des retournements de situation. Ça s'est fait déjà face au Sénégal et ensuite face au Mali. Donc ils sont prévenus. C'est que Fofana pour une frappe. Frappe lointaine. Il y avait trop de densité, moins d'espace, peu d'espace. Attention, ce ballon amené par Simon Adingra. Le centre devant, le but de Nwalabi. La frappe derrière de Max Allegradel. Adingra face à Aina et Moses Simon. C'est court. Pour Serge Jean-Michel, la frappe. C'est pas cadré, la frappe de Serge Jean-Michel. Disputé, n'a pas réussi à marquer le moins de but. Attention, pourquoi pas. C'est voilà qui écarte pour Simon Adingra. Adingra, le crochet pour Simon Adingra qui a toujours le contrôle du cuir. Attention la tête. Pas suffisamment appuyé. L'heure de validation de la domination des éléphants de Côte d'Ivoire. Il va falloir maintenant valider. Kossounou, la frappe de Kossounou, c'était cadré. Et quelle parade de Stanley Nwabali. Bipé qui est debout. Attention ce corner, la tête de Franck Essien. Et c'est au fond pour l'égalisation. L'égalisation de Franck Essien pour la Côte d'Ivoire sur cette tête. Encore une fois prédit par Patrick. Un partout ici. Et Bipé. Et ça sentait. Ça se rapprochait ce corner. Ce corner au deuxième poteau de Simon Adingra. Et cette tête, cette fois-ci, puissante, cadrée. Lukman Adimola qui frappe ce ballon, la tête encore de Troste Kong qui passe à côté du montant droit. Un grand pas vers le trophée. Alors, ils sont à côté de leur pompe, les Nigérians qui pour l'instant ne font que repousser les assauts ivoiriens. Attention ce ballon pour Franck Essier, c'est levé pour Sébastien Allaire. Simon Adingra, il le reçoit maintenant. Attention, Simon Adingra qui va s'amener ce ballon. Le centre de Simon Adingra. Mais pour la Côte d'Ivoire, c'est qui? Sébastien Allaire qui va détourner ce ballon dans le petit filet de Stanley. Directement droit au direct, hein, on va faire grâce au direct. Voici Evers Faye, l'entraîneur champion d'Afrique, en conférence de presse. On l'écoute. De sa canne, parce qu'elle a été belle, elle a été riche. Elle nous a réservé beaucoup de surprises, beaucoup de rebondissements. Donc vraiment, je suis content pour le pays d'avoir su organiser une canne comme ça. Pour la première. Samar Mustapha Kessous, Le Monde. Ça fait plusieurs matchs, j'arrête pas de vous interroger sur le côté irrationnel de votre parcours, mais permettez-moi, et je m'excuse du jeu de mots, mais là, ce que vous vivez, c'est un vrai conte de fées, là. C'est plus qu'un conte de fées. C'est plus qu'un conte de fées, franchement. J'ai du mal à réaliser encore qu'on l'a fait. Quand je repense à tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé, pendant la compétition, les moments difficiles, les moments où on a été mené, les moments où on est revenu à la dernière minute, c'est extraordinaire. C'est une chance énorme. On est des miraculés. On a été chercher la coupe parce qu'on n'a rien lâché, parce qu'on s'est battu jusqu'au bout et on a montré qu'on était des hommes et qu'on savait rebondir malgré les coups durs. Prochaine question. Bonsoir, coach. Jean-François Boudi du journal Le Goleador. Tout à l'heure, vous parliez, vous disiez que c'est plus qu'un conte de fées. Mais j'aimerais vous demander, la Côte d'Ivoire organise la CAN, ça fait 40 ans. Aujourd'hui, sa première CAN. Vous avez aujourd'hui écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football ivoirien à 40 ans. Quel est le sentiment qui vous anime? J'arrive même pas à mesurer ma joie. Franchement, je suis... C'est énorme ce qui m'arrive. Je rêvais de gagner la CAN en tant que joueur, je ne l'ai pas fait, j'ai pas su le faire. Et là, j'ai eu une opportunité de le faire en tant qu'entraîneur. Et malgré le fait que c'est arrivé dans des circonstances particulières, hein, bizarres, parce que le jour de mon anniversaire, je dois encaisser le départ de Jean-Louis, que je félicite aussi, parce que c'est aussi sa victoire. Et prendre l'équipe alors qu'on n'est pas sûr d'être qualifié encore. Donc ça a été un anniversaire particulier, mais
Voilà, par la grâce de Dieu, on a eu une deuxième chance. On l'a saisie à fond, on a joué notre coup à fond et on n'a rien lâché pour aller chercher la coupe. The lady. Alors, Christelle Kouassi a pu s'y voir. J'aimerais savoir, coach, champion d'Afrique. Je suis juste là en face. Ah. Félicitations, coach. J'aimerais juste savoir, on est mené, je dis « on » parce que je me fonds à l'équipe nationale, bien qu'étant journaliste, mené 1-0 à la mi-temps, la première période. Qu'est-ce que vous dites au vestiaire, aux éléphants? Parce que revenu juste 10 minutes après l'égalisation et s'ensuit quelques instants avant le coup de sifflet final, le but qui justement envoie la troisième étoile de la Côte d'Ivoire. Quels sont les mots que vous avez donnés dans les vestiaires à vos poulets? À la mi-temps, on a demandé aux joueurs de continuer sur ce qu'ils faisaient parce que j'ai trouvé qu'on était bien. On est bien rentré dans le match, on avait la maîtrise sur le ballon, on s'est créé des opportunités. On a encaissé un but un peu contre le cours du jeu, hein, sur ce corner repris en deux temps par Trostekon. Mais à la mi-temps, on leur a demandé de continuer à jouer, de continuer à les faire courir. C'était le 7e match aujourd'hui, il faisait chaud. Je les ai sentis un peu émoussés aussi, les Nigérians, sur ce type de match. Je crois qu'ils avaient du mal à enchaîner. Ils avaient moins de cannes que sur le match le match de poule qu'on a joué contre eux. Donc on a demandé à nos joueurs de continuer à insister, de continuer à faire courir le ballon, de les épuiser au maximum, parce qu'on savait que si on les épuisait, tôt ou tard, hein, ils allaient laisser des espaces qu'on allait pouvoir utiliser. La prochaine ici. Bonjour Emmerts. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Vous avez fait une entrée fracassante dans la carrière d'entraîneur. Vous êtes champion en 4 matchs. L'entraîneur Peseiro a souligné que votre équipe avait mieux géré la pression que la sienne. Et je voulais vous demander comment vous aviez réussi ce truc-là. Parce que j'avais cru vous sentir un petit peu nerveux hier en conférence de presse. Ben, visiblement, je me suis trompé. Et est-ce que comment vous avez transmis un peu de calme à vos joueurs pour qu'ils ne craquent pas sous la pression? Parce que je suis calme de nature, en fait. Je suis très calme de nature, je suis discret, je suis calme. Donc non, hier j'étais peut-être fatigué, mais pas spécialement nerveux. Et on a aussi, il faut souligner, on a aussi des joueurs d'expérience, hein, des joueurs comme Max Gadel, comme Serge Aurier, qui ont gagné la CAN déjà en 2015, qui ont énormément d'expérience. Il y a Willy Boly aussi, même s'il était blessé ce soir malheureusement et qu'il était en tribune. Mais tous ces joueurs-là nous ont permis, nous, le staff, d'apaiser et de gérer justement la pression d'une finale. Je savais que sur cet aspect-là, on allait avoir un avantage quand même sur le Nigeria parce qu'ils avaient moins d'expérience que nous, en tout cas expérience de jouer des finales. Et quand on sait que jouer des finales, c'est des matchs particuliers, je pense que sur cet aspect-là, on était supérieurs. Au fond de la salle. Bonsoir, coach. Edem Matipoué, quotidien Togo Matin du Togo. Félicitations pour cette victoire. Merci. Apparemment, vous aviez pris une patate très chaude. Ce n'est pas vous qui aviez fait l'équipe et tout. J'aimerais savoir si vous étiez ce sélectionneur qui aurait concocté ce groupe. Auriez-vous fait appel à tous ces joueurs ou il y aura peut-être des changements? J'ai pas du tout compris. J'aimerais savoir. La patate chaude, c'est quoi la patate chaude? J'aimerais savoir, après avoir pris l'équipe et tout ce parcours, c'est une très bonne chose. Et si vous étiez le sélectionneur qui avait fait le choix du début de cette CAN, est-ce que vous auriez le même effectif ou il y a des joueurs que vous aviez en tête? Ouais, question suivante, là, je n'ai rien compris à la question. On prend celle-là. C'est une question qui ne veut rien dire. Je sais pas, bref. Bonsoir, coach. Ici. Bonsoir, coach. Félicitations, Camara Moussa du site wondima.com de Guinée, de la Guinée, pardon. Vous rentrez mené à la mi-temps. Vous ressortez avec beaucoup de manque de lucidité devant. Vous ressortez, vous avez deux occasions coup sur coup à travers Max Alagradel et Franck Kessé de la tête. Vous les ratez. Voilà. C'était à l'instant le sélectionneur national champion d'Afrique 2023, Emmerts Faye.
Bon, la dernière question, là un peu, enfin, je dirais pas irrité, mais il n'a pas compris. En fait, il est très ému en ce moment. Donc, vous comprenez que quand on lui parle, il faut parler très clairement, distinctement, avec des mots précis pour qu'il comprenne. Mais c'est normal, c'est l'émotion. Allez, on marque une pause, on revient juste derrière. Puis, messieurs, je l'ai dit, hein, on ne dure pas au champ aujourd'hui, n'est-ce pas? On ne dure pas au champ, hein? Non, on ne dure pas au champ. Du tout. Non, pas du tout. On a envie d'aller faire la fête. Allez, on marque une pause et puis on revient juste après. Tantôt, on ne dure pas au champ aujourd'hui, c'est un jour mémorable. J'aimerais quand même qu'on puisse faire remarquer que nous avons avec nous un DJ champion d'Afrique des Nations, DJ Arsenal. Tu pourras rajouter ça dans ton CV qui est déjà très long. Exactement. Messieurs, on va vraiment conclure ici. Moi, je voudrais vraiment prendre à l'instant T Patrick Guité, à l'instant T Chris Nobouzan. Qu'est-ce que vous ressentez? Ce qu'on ressent est très fort parce que c'est du jamais vu pour nous, jeunes journalistes, en tout cas moi, c'est ma première finale de Coupe d'Afrique. C'est vrai, j'ai commenté les championnats européens, la Coupe du Monde, mais pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la première fois. Et donc, je ne suis pas sûr que je pourrais oublier ce jour merveilleux. En tout cas, ce qui s'est passé, ça revient l'image. Voilà, ça revient, ça tourne et on ne sait pas. Je sais pas si il est ému, hein, il est très ému, il est très ému. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte qu'on vous filmait. Non. Non, d'accord. Patrick Guité, même question. Oui, c'est de la fierté, de la reconnaissance déjà pour, vis-à-vis de NCI qui nous a fait confiance quand même. Pour les commentaires, parce que c'était pas gagné, même si on a eu l'expérience de la Coupe du Monde. Parce que là, on était commentateur pour la CAN avec la Côte d'Ivoire qui participait. Donc, il y a le côté professionnel qui perdait un peu le dessus sur le côté supporter. Et c'est peut-être pour ça que je voyais des actions avant qu'elles n'arrivent. Donc, c'est de la fierté et de la fierté forcément et de la reconnaissance vis-à-vis, comme je l'ai dit, de NCI, à vous, Joël Amos qui m'avait appelé dès les premières minutes de l'ouverture du canal sport de NCI pour venir participer à cette aventure. Et aujourd'hui, pour la première CAN de NCI Sport, ben on a une étoile et ça, c'est exceptionnel tout simplement. Exceptionnel. Bravo à vous, messieurs. Bravo Chris, bravo Patrick Guité, bravo également à Marc Leblanc, bravo à Israël Oussou, bravo à Nasser Eddy, bravo à Yacoub Traoré. J'aimerais qu'on les applaudisse tous. Qui ont offert des commentaires absolument vivants, réels et très ivoiriens. Voilà, c'était un peu le choix, c'était l'objectif. On a choisi volontairement d'être supporters, hein. Faut qu'on soit très clair là-dessus. C'était un choix parce qu'on est ivoirien, on va pas faire semblant de l'être non plus. Voilà, on l'est vraiment. Donc, on soutenait notre pays et on a eu raison. J'aimerais que les gens se souviennent que depuis le début du mois de janvier, nous sommes peut-être les seuls à avoir diffusé une bande-annonce qui disait qu'on était en 2004 et qu'on partait pour notre troisième étoile. Et par la grâce de Dieu, c'est ce qui est arrivé. Voilà, on est quasiment à la fin aujourd'hui. On ne va pas faire plus long. Moi, j'aimerais... D'abord, je ne sais pas, qui a envie de gagner une voiture? Voilà, là, on a les images du vestiaire aussi. Ici, voilà, on les a en direct, je crois, exactement. Voilà, la célébration dans les vestiaires. Voilà. Non, on a les mains levées, là. Parce que sur la question de la voiture, gardez vos mains levées, s'il vous plaît. Gardez vos mains levées. De belles images qu'on voit, là, quand même. Hein. De belles images avec Absolument. Le trophée dans les vestiaires. On est quasi en direct hein, avec ce qui se passe. Non, ils ne veulent pas baisser leurs mains. Il faut les laisser. C'est une affaire de voiture. Donc, c'est très beau, tout ça. Franchement, on est très contents. On est très fiers pour nos éléphants de Côte d'Ivoire.
très très fier. Bravo. Alors donc j'étais 10 ans, comme dit un ami, qui veut gagner une voiture? Qui veut gagner une Mazda CX-5? Moi, monsieur. Moi, monsieur. Eh bien, j'ai le topo pour vous, les gars. Mesdames, mesdemoiselles, j'ai un topo pour vous. Si vous voulez gagner cette voiture, envoyez simplement C-A-N. C-A-N, CAN, par SMS au 98-102. C-A-N, par SMS. Arsenal, vous ne pouvez pas jouer, vous êtes DJ ici. même en 3 discules aussi, ça passe. Non, je déconne. Peu importe, vous pouvez l'écrire en minuscule, en majuscule, peu importe. Envoyez simplement CAN, C-A-N, au 98-102 et vous pourrez partir avec la Mazda CX-5 qui vous est offerte par Porteo et NCI. Pendant quasiment 3 semaines, on vous laisse l'opportunité de jouer. Alors, si vous voulez vraiment être sûr de gagner, il faut jouer le plus possible. Voilà, faut jouer. Faites le ratio entre ce que coûte la voiture et ce que vous allez investir comme SMS. Vous allez voir comment vous devez jouer. En tout cas, ben, plein de bonheur à vous, hein. Surtout à celui qui va gagner la voiture. Voilà. Alors, pour rappel aussi, hein, demain, vous aurez toute la journée, on sera avec vous sur NCI pour vous faire vivre les émotions du sacre. Parce que c'en est un, du sacre des éléphants de Côte d'Ivoire pour cette CAN 2023, la CAN Total Énergie 2023. Donc demain, vous restez évidemment connectés sur NCI à partir de 11h30, hein, avec une émission qui c'est certainement l'une des émissions les plus longues de l'histoire de la télévision, qui va commencer à 11h30, on ne sait pas à quelle heure elle va finir. Hein, pour être très honnête, on va suivre le parcours, simplement vous offrir la fête, l'ambiance ici dans les studios de NCI. Et si jamais ça commence un peu avant, rassurez-vous, on sera également là pour suivre tout ce parcours des éléphants. Demain, ils vont faire une parade depuis l'hôtel jusqu'au stade Félix Houphouët de Boigny. C'est ce qui est prévu, hein, donc je vous le dis. Et il va falloir s'y rassembler, évidemment, pour aller dire bravo à nos pachydermes. Est-ce qu'on peut encore voir les images des vestiaires? Parce que c'est très beau de les voir, ces éléphants-là, en train de sacrer, de chanter, de danser. Et pour une fois, ce n'est pas le coup du marteau. Ouais. Pour une fois non plus, ce n'est pas Frankie DiCaprio. Bon, ce n'est pas grave. Allez, merci infiniment à vous, chers téléspectateurs de NCI. Ce n'est pas la fin, puisque demain, on aura la dernière émission du journal de la CAN autour de 18h. Donc, on pourra là faire... la longue liste de merci, parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui on doit dire merci, parce qu'elles le méritent en plus. Mais d'ici là, et comme je le dis toujours, et avec tellement de joie, je le dis ce soir, gardez le football dans votre cœur. Ciao.